Alors bonjour, donc je m'appelle Claire Fauvel, je suis autrice de bande dessinée. Pour le moment je travaille pour les éditions Rue de Sèvres et Casterman. Et donc avant de faire de la bande dessinée, j'ai fait des études de dessin animé et j'ai travaillé un peu dans le domaine du cinéma d'animation. Et comme j'aime beaucoup raconter des histoires, je suis venue assez rapidement à la bande dessinée. Alors donc pour ma dernière bande dessinée, Poulaine des Vies, j'ai découvert le personnage un peu par hasard grâce à mon père qui avait écrit une anthologie de tous les bandits qui existaient. Voilà, il a fait ça en amateur. Et en lisant cette liste de bandits, le destin de Poulaine des Vies m'a particulièrement interpellée parce qu'il est très romanesque, il est puissant et c'est une figure féminine, ce qui est assez rare chez les hors-la-loi, les bandits. Et un peu de temps plus tard, j'ai lu son autobiographie aussi. Et ça, c'est vraiment une lecture qui m'a marquée, qui m'a énormément touchée. Et c'est cette lecture qui m'a donné envie de l'adapter en BD et de raconter son histoire en bande dessinée pour la faire découvrir au plus de gens possible. Comment caractériser Poulaine des Vies? C'est pas facile. Je dirais que c'est une femme forte, c'est un peu facile. Quelqu'un de très sincère aussi. Elle a un sens inné de la justice. Depuis l'enfance, en fait, elle est victime d'injustices dues à son sexe et à sa caste, double injustice depuis qu'elle est petite. Et c'est quelque chose qu'elle n'a jamais accepté, en fait. Malgré le poids de la tradition, elle n'a jamais pris ça comme acquis. Et donc, c'est une rebelle, une vraie rebelle, une rebelle née, et voilà. Rebelle, forte, révoltée. Et en même temps, elle est très sensible aussi. Elle peut être drôle, très humaine, très sensible et presque naïve et naïve par moments et touchante. Alors, il y a beaucoup de choses qui m'inspirent pour mon travail dans le dessin. Je m'inspire un peu de tous les arts en général. Donc j'adore le cinéma, ça m'inspire pour mon découpage. J'adore la musique, ça m'inspire pour retranscrire les émotions. Je me fais toujours une playlist pour chaque bande dessinée que je fais. Et le cinéma, voilà, la musique, la littérature aussi, bien sûr, pour ça donne des idées d'histoire. Et puis après, je m'inspire toujours de la vie, du quotidien, des gens que je rencontre. Je pense que voilà, c'est un peu comme ça pour tous les auteurs, mais tout est source d'inspiration, quoi. Il faut être curieux et ouvert en permanence. Le style Claire Fauvel, c'est une question pas facile. C'est déjà toujours dur peut-être de définir nous-mêmes ce qu'on fait. Mais je dirais que, bon, visuellement, purement visuellement, j'ai des influences franco-belges et manga de mes lectures de jeunesse. Voilà, c'est un peu un mélange des deux. J'aime plein de genres de BD différentes, moi des romans graphiques, vraiment tous les styles, donc tout ça, c'est des influences. Je m'inspire beaucoup de peintres que j'aime aussi. Il y a la couleur qui est très importante dans mon œuvre, donc j'adore les peintres impressionnistes, par exemple, donc j'accorde beaucoup d'importance à la lumière aussi. Et voilà. Et après, mon style au niveau des histoires, moi, j'aime les histoires qui remuent. Et pour moi, le plus important, c'est de créer de l'empathie pour le personnage principal et de créer de l'émotion aussi, voilà, de réussir à émouvoir le lecteur. Donc j'espère qu'on pourra dire que le style Claire Fauvel, c'est des BD qui provoquent de l'émotion. Ça me ferait très plaisir. Alors, qu'est-ce qu'un bon dessin? C'est vraiment un dessin expressif. Pour moi, c'est ça le principal, qu'il soit expressif. Et une fois de plus, c'est un dessin qui transmet une émotion. Et voilà, si on ressent l'émotion du personnage, si on est touché, si on est ému en regardant un dessin, c'est qu'il a fonctionné, voilà. Alors, je vais vous présenter ma planche, la page 32 de ma bande dessinée, qui est là. C'est une page que j'aime parce que c'est un peu un moment de répit dans l'histoire de Poulaine des Vies, qui est une histoire très dure, donc de violence, de vengeance, de voilà. Et là, c'est un moment où elle est enfant, elle vient de se marier, et c'est un peu un moment de mélancolie des deux petites filles la nuit qui se retrouvent sur le toit de leur maison pour regarder la fête du mariage de loin. Et voilà, je trouve que c'est un moment assez, assez touchant, assez contemplatif aussi. On a une grande case sans texte. Et ça, c'est quelque chose que je fais pas assez, mais j'aimerais le faire de plus en plus souvent. C'est juste laisser des pages vraiment avec des impressions et sans dialogue, sans action, juste des moments d'impression pure. Et c'est aussi une page qui se passe la nuit.
Et au niveau des ambiances colorées et lumineuses, j'aime beaucoup travailler les scènes de nuit parce que ça permet de mettre des tons un peu monochromes et de jouer vraiment avec les lumières, avec un éclairage de la lune, d'une lampe. Et voilà, c'est des ambiances un peu troubles qui me plaisent. Donc voilà, c'est une page que j'aime bien dans la BD.